Bonjour et bienvenue, on est reparti. Dredge, nouvel épisode. On va continuer, donc c'est de la... Ça doit être notre épisode 10 en plus. Donc nous sommes à l'échine du diable. Ouh, c'est quoi ce bruit? Il y a beaucoup de choses qui nous attaquent. Hein, on s'est fait agresser par des... je sais pas, plein de trucs. Plein de trucs quand on est arrivé. Et en tout cas, on a une mission à faire. Alors on va mettre tout de côté pour le moment, mais on doit faire ça absolument. C'est la silhouette rouge, pêcher à Nabadesh Boulotte. Donc il y a ça à faire. Aussi, ce qu'on va faire, je pense qu'on a quelques jours avant que l'autre meure de faim. On va aller ici, parce que je pense que c'est la pêcheuse. Donc ouais. C'est quoi ça? Truc de volcan. Si c'est volcan, on prend parce que c'est nouveau ça. Réal à Popal. Okay. Une des raies vivant au plus profond des océans. Elle utiliserait les cheminées hydrothermales comme incubateur pour ses œufs. Okay. Ah yes, c'est elle. Oh. Ouh, il y a des trucs dans l'eau. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ah oui, on a fait un nouveau filet. On a fait celui-là. Alors, volcan et côte. On va peut-être le mettre, ça aussi il nous le faut. Les appâts il nous en faut pas. Attendez. Il faut un peu réfléchir. Ok, bon, ça c'est bon, les moteurs c'est bon. Ça. Côte. Au fond. Attends, si on prend ça... Ouais, mais de toute façon, je peux pas le prendre maintenant. Je me demande si les filets comme ça, là, en fait, ils ont pas... Ils attrapent pas des trucs, des choses... mieux, en fait. On va débloquer ça. Ces accras améliorés et plus solides devraient durer plus longtemps et être plus fiables. L'utilisation d'alliages légers mais résistants fait de ce casier un piège solide et spacieux. Non, en fait, non. En fait, pas du tout. C'est bien, c'est de la perte. J'aurais dû juste garder pour celui-là. Ouais, parce que... Ça... Bon, pas grave. C'est fait. Ouais, on aurait dû... C'est pas grave. Donc... Pour le moment... On n'a pas exactement besoin de ça. J'ai envie d'enlever le moteur parce que ça prend de la place. Mais bon... oui, on avait dit qu'on voulait mettre du... Ah, attendez, mettre le filet. Alors... Donc, ça, on peut l'acheter, déjà. Comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut enlever ces deux-là. Je crois qu'on va enlever ça. Oh merde. On peut pas le mettre dans la cale. Ah mais oui, je suis ici, je suis bête. Ok, très bien. Donc... Attends. Donc ça...
Alors ça c'est au fond volcan. Ça c'est côte mandragore et là c'est côte au fond. Au fond on l'a déjà, il n'y a que la côte en fait qu'on récupère. Au fond. Je suis en train de me prendre la tête. Non, mais on reste comme ça, on est bon. Par contre, il y a celui-là, en fait, on pourrait l'enlever parce que c'est côte au fond. Côte au fond, là déjà. On a au fond ici, côte là. Bon, c'est ça, c'est filé, c'est pas pareil. Mais on pourrait prendre celui-là, en fait, ça fait plus 62 vitesses de pêche. Fais voir. Là, je suis en train de me prendre la tête. Ok. On est à 188%. Et celui-là, ça donnerait côte au fond. Mais côte au fond, on l'a déjà. Ouais, on a déjà les deux. Donc, ça sert à rien de mettre le petit. On peut rester comme ça. C'est pas mal. Ça, on va le désinstaller, je crois, pour le moment. Ouais. Très bien. On va rester comme ça. Ok, donc faut qu'on trouve... Salut. Faut qu'on trouve les poissons qu'il veut l'autre là. Attends, le mec il a demandé. Oh, c'est con de, d'être pressé par le temps là, ça me stresse. Je sais pas combien de jours on a, mon amour. Enfin, je t'ai retrouvé. Quand tu es parti, tu m'as disséminé aux quatre vents, mais maintenant je me sens presque entière. Il me reste qu'une chose à faire. Bonjour. Renvoie-moi. Ok. Quête. Alors. Abadesh Boulotte. Mais je sais plus. Je crois que c'était un truc volcan, hein, tout simplement. Je me rappelle plus de ce qu'il a montré, en fait. Je crois que c'est un truc volcan. Je crois que c'est ça. Genre 3 points, un truc comme ça. En tout cas, on doit... chercher des trucs volcan, tout simplement. Par contre, faut faire gaffe parce qu'on se fait attaquer un peu facilement ici. C'est quoi ça? Oh! Yes. Ok, ça on en a déjà une. Ça on en a déjà une aussi. Faut que je vende la spéciale là. Ah. 164 $. Eh ben putain. Par contre, il y en a qui. Ouais, 6 jours. On peut balancer ça juste au cas où en fait. J'ai envie de dire. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Mais je serais pas étonné en fait qu'on en ait besoin. Bah tiens, on a qu'à faire une ligne droite avec ça. Très bien. Donc ça c'est... métal et tout ça, on s'en fout pour le moment. Escolier serpent. Donc les filets, en fait, ils peuvent attraper tout et n'importe quoi.
Ah ben non, je suis bête. Non, j'ai rien dit. C'est volcan, écoute. J'ai rien dit. C'est peut-être ça qu'il demandait ? Non, ça m'étonnerait. Je vais voir ce que c'est, ça. Malarma aux 10 aiguillons. Petit poisson aux plaques angulaires renforcées. Il est doté de barbillons sensoriels sous le corps qui lui permet de détecter les proies sur le fond marin. Et toi, t'es quoi là ? Poisson long aux yeux noirs, ternes et au museau allongé. Il est doté d'une longue mâchoire affamée aux grandes dents acérées. Alors, c'était où le... Attendez, faut que je prenne ma copie. J'ai pas écrit... Mince, j'ai pas écrit où était le... Le mec, en fait. Ça, c'est ça. Oh, merde. C'est une erreur de ma part. Ah, il est là. C'est ça ? Ça a pas l'air d'être ça. Hein. Non, toi tu veux Abadèche, Boulotte, Volcan. Ok, donc c'est pas ça. Ça marche. Alors toi t'es en... L14. Alors, homme rouge. L14. Très bien. Tiens, je vais en profiter. Je vais peut-être même prendre un... honnêtement un screenshot de ce qu'il te demande pour aller plus vite parce qu'à chaque fois j'hésite. Hop. Et on peut le trouver du coup avec le filet ou la pêche. Donc ça peut... C'est pour ça que je voulais le filet aussi. Bon, allez go. Alors on peut faire ça aussi. Malarna au 18 ans, machin. Aucun fantôme, c'est pas pour nous. Bon, là je regarde pas au bon endroit. Requin lézard. Y'a pas grand chose. Hein. Y'a pas. Y a pas beaucoup d'espèces en fait. On va aller vendre ce qu'on a. On va peut-être utiliser les. Les appâts. Ça pourrait sûrement nous être utile. Ça, on vend ça, parce qu'on en a un ici et un ici. Donc très bien. Celui-là, bah il est pourri de toute façon. Ok. Ouh, crabe araignée géant. Ouh, dégueulasse. Énorme crabe étrange des profondeurs. Ça marche. Attends, par contre, ça c'est les petits poissons. Ah, c'est ça! On l'a.
On l'a, on l'a. Oh merde. Escalier, j'ai peur. Oh merde. Donc on a récupéré un truc, une abomination là, avec le filet. Sympathique. C'est bien ces filets quand même au final. C'est vachement sympa, le oui c'est vachement utile. Alors, une autre forme sur le parchemin. Ah, j'ai pas lu ce qu'il faisait. Ouais, on a eu ça. Escolier viperin. Il attaque à coups de dents et de queue. Son sifflement finit par vous envelopper. Par contre, les choses restent fraîches, je pense, vu que c'est dans le filet en plus. Donc c'est vachement sympa. Donc là, ah, c'est de l'océan. Oh là là. Il fait océan notre filet? Non, il fait pas océan. Merde! Ah, toi tu me cherches, toi. Voilier. Toi tu m'embêtes, toi. Ok, c'est bon, j'ai pris en photo. Toi tu m'embêtes. On va aller vendre. Ça me fait un peu peur de me balader ici. On voit pas énormément. Oh là là. Okay. Ah, on va devoir s'équiper pour l'océan. Ouais non, tout reste frais, c'est vachement bien ce système en fait au final. Ouais, c'est vachement pratique. Et du coup, je peux pas mettre les choses dans le filet, on est d'accord. Non. Ça du coup... Bon, on est reparti pour l'océan. J'ai pas de canne à pêche hein, qui pêche océan. On n'a pas. Hein. Attends. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. On a ça. La canne à tendon. Ça, je peux la mettre nulle part en fait, parce qu'elle est pas vraiment utile comme ça. Donc autant mettre ça. Abysse grand fond. Ça me rend fou ce système. Si je mets ça, je fais quoi après avec ce point? C'est ou l'un ou l'autre en fait. Ça revient au même. Au fond. Ça c'est abysse grand fond. Voilà, là on n'ajuste pas le feu. Quoi. Ah, ça va me rendre fou hein, ce système. je vais être honnête. Hein. Ça va me rendre marteau.
Ok, on s'est calmé. Donc... C'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut un truc des océans. Ouais, on va regarder. Le voilier à la moelle. Oh là là, sérieux? Aïe 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 aïe. Trouver. Après, je pourrais remonter là le filet. Enfin, c'est pas vraiment grave de le laisser. Très bien. Il faut juste un. Oui, enfin, après, oui, le filet se remplit. Je suis d'accord, mais. Pas très grave en fait, il est grand. Alors, j'avais dit. Il est où le mec? Il est en L14. L14, donc. Putain. Ligne droite au nord. Oh, pardon. Pas ça. Pourquoi il y a un vent qui souffle là? Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir là? Bon, on l'a déjà vu ça. Un peu obligé de faire. Merci le jeu. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Je vais perdre mon temps, c'est sympa. Là par contre, il faut que je fasse ligne droite. Peu importe que ça soit la nuit, il faut qu'on arrive à bon port en fait. Faut qu'on aille lui livrer le poisson parce que sinon il va pourrir le pourrir. Donc go. Hein. Donc go go go. Ça fait beaucoup de poissons. Ah, mais après on les vendra, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bon, on y est presque en plus. L14. Alors. Je pense pas qu'on allait être on allait aller aussi vite en fait. C'est quoi ce bruit? La lame. Mon dieu, je deviens fou. La lame de cérémonie surgit à nouveau et le grand cœur du poisson est extrait. Il est placé sur une colonne à côté du premier. Fait suggérer les profondeurs, suivez de pointe du doigt. Oh, j'en avais de ça! Oh, putain de merde. Bon, ça, c'est pas très dur à prendre. Attends, c'est bien ça, hein. Requin lézard, oui, c'est bien ça. Ouais. Arrête de me faire peur.
prend rien de tout ça pour le moment. Ouh, il y a des œufs partout. Bon, on est reparti. Alors, techniquement, on n'a pas vraiment besoin de ce... de cette canne à pêche, mais du coup, ça nous fait quand même pas mal de bonus pour pêcher. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a côté au fond. Ouais. Je suis abîmé ou pas? Par contre, du coup, les autres c'était où, machin? Je sais que c'est pas très dur à prendre. Galatée. Recouvert de poils et d'épines minuscules. Cette créature serait aveugle. Elle se nourrit de toxines recrachées par les cheminées hydrothermales. On va les prendre. Alors... Je crois qu'il y en avait de ce côté-là. Non. Ça. C'est ça. Eh ben. Une fois qu'on a pigé un peu le système, hein, honnêtement, c'est cool. Je vais être honnête. Alors, elle traîne le corps du requin pour trouver le bon angle avant de lui plonger une lame dans le corps et ôter son cœur qu'elle place sur une colonne à côté des autres. Merci. C'est une de vainqueurs qui s'immobilise ou partez avant qu'il décide de vous demander d'autres cœurs. Merci. Hop là. Réhorrifique. Oh, c'est dégueulasse. Des os remplacent le cartilage et surgissent à travers sa peau molle, laissant apparaître une silhouette effrayante. C'est vraiment horrible les descriptions, mais j'aime beaucoup en fait le jeu. Parce que le jeu il est un peu, je sais pas dire enfantin, mais le graphisme et tout ça, pas le graphique, c'est pas, voilà, c'est pas du réalisme et tout ça. Donc du coup les descriptions sont vachement détaillées à chaque fois. C'est, j'aime beaucoup en fait ce système là. Il y a un peu le côté, ça vous laisse imaginer un peu plus. Bon, maintenant on peut prendre tout ça. On n'est plus pressé par le temps. Je me demande s'il y aura une façon de... de récupérer le livre du premier mec qu'on a loupé, la silhouette bleue. Honnêtement, ça m'embête quand même de l'avoir loupé. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche à côté de moi. Des fois. Est-ce que si je fais ça... je fais mon pouvoir, c'est considéré comme de la pêche, ça.
ou pas. Oh merde. Oh. Non, c'est... On va ranger tout ça parce que. Enfin, rentrer tout ça. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? On a combien de poissons? On a 373 de là. Des poissons, très bon. Alors, attends, parce que là on a des choses à faire. Donc on a deux bois pour ça. Ça, ça peut être plus utile par contre. Ouais, parce que là on pourrait mettre la grande canne à pêche. Enfin on peut je pense qu'on peut gérer un peu mieux le truc là. C'est encore le bordel dans mon inventaire, c'est sympa. Mais bon, c'est vrai que je commence à prendre en fait tout et n'importe quoi et ça, je devrais pas en fait. Attends, d'abord on répare notre filet. Donc là il nous faut... Pardon, il nous faut juste du bois en fait. Il faut juste du bois. Et après on est reparti sur, sur un nouveau truc. Donc il nous faut surtout du bois, ça marche. Donc, on prend rien d'autre pour le moment. Ce qu'on pourrait faire c'est... Ouais, regardez vite fait ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est, ça prend de la place. C'était sérieux, c'est que des gros trucs. Ah ben. Faut qu'on aille à l'autre... comment ça s'appelle? Enfin, pas port, mais l'autre zone où on peut accoster, ça marrait. 300 car... Ah oui, non, mais c'est super cher en fait. C'est ouf. 4 poissons. Ah, on devait avoir aussi quelque chose dans le. Dans le filet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe 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 aïe. On va faire le tour. Ah, il nous faut des bombes. Qu'on en a. Je me demande si c'est pas le poisson qu'elle voulait. Elle. Le trouble abyss, évidemment, c'est les abyss. Évidemment, ça va me rendre fou. Oula, oula, oula. Évidemment, c'est les abysses. Bon, allez, on va retirer le filet parce que voilà, ça commence à me. Hein. J'ai pas de place par contre pour mettre le filet. À la limite, on peut jeter ça. Je suis certain c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle cherche. Merde. Mais casse-toi. Putain. Mais casse-toi.
Le Coca-Lanta machin truc. En plus c'est en trophée. Faudrait que je détruise je crois ce passage là. Et merde, mais quel con, je faisais pas attention au débile. Encore heureux qu'on se fait pas attraper par ça. Je fais n'importe quoi, faut que me... faut vraiment que je me concentre là, je fais n'importe quoi. Ok, donc déjà on va te parler. Les poissons rares. J'ai le machin bizarre là. Voilà, très bien, merci. Eh ben, je pensais pas terminer cette tâche un jour. Tu veux parler d'autre chose? Non. Très bien. Combien? 327 dollars. Waouh. On a fini la quête. Très bien, il ne nous reste plus que les reliques, allumer les statues et quelque chose d'autre. Du coup, on garde ça ou pas? Maintenant, je me dis, est-ce que le filet, c'est vraiment bien? Moi, je dirais oui, quand même. Très bien. Casier de crabe. Alors, filet. Je dirais la canne à pêche. Hein. Côte et océan. Côte et océan. Pourquoi c'est pas le. Ils font la même chose, c'est juste qu'il y en a un plus grand. Ouais, on va prendre les cannes à pêche. Voilà, comme ça, ça sera déjà fait. Je veux pas dire, mais je crois qu'on arrive à la fin du jeu. On a encore un explosif, c'est bien. Ok, on va réparer le filet. Et dormir. On est reparti? Oh, non, non, non. On est reparti. On est reparti. Chalou. Donc, fais voir ça. Ah, merde. J'essaye de mordre, de manger quoi en fait? Mon filet, c'est ça? Il y avait une description en fait sur comment ça pouvait fonctionner ici, mais je me rappelle plus de ce que c'était la description. Oh, c'est la lumière, tu crois? Je me rappelle plus ce que disait la description qu'on a lue dans le dernier épisode. Mais je sais qu'il y en avait trois, et je crois que ça coïncide avec les trois flammes en fait à récupérer. Chaque flamme doit avoir peut-être des choses qui les protègent. Maintenant, si je devrais pas faire péter le mur là qui est devant moi, juste au cas où, si ça fait autre chose.
Je sais pas. Ça. Ah, c'était du bois. Faudrait qu'on aille vendre, je sais. Donc on a vraiment beaucoup de choses. 1, 2, 3, 4, 5. 5 choses à vendre. Et ouais, il nous faudrait du bois. Bon, ça va, on y va, allez. Il faudrait du bois surtout. Comme ça, on peut enchaîner sur les nouvelles mises à jour. 66. 22, 38, 60, 16. Est-ce qu'il y aurait du bois qui traîne? Ça, c'est du métal. Du bois. Ouais, comme ça on fait quelques améliorations parce que hein, 4100 d'argent, voilà quoi. Après, ça m'étonnerait qu'on en trouve énormément. Dragage, ça c'est du... Ça c'est du tissu, on s'en fout. Et ça c'est du métal, on s'en fout. Ok, go. On est reparti. Bah attends, on peut déjà donner le bois ici. Ah, je suis un peu triste quand même, parce que c'est vrai qu'on a... Oh, on a encore au moins, je dirais 4-5 épisodes, hein, ça de sûr, hein, de certains, même. Mais c'est vrai qu'au final, bah ouais, on doit approcher de la fin. Là. Yes, let's go. Oh mon dieu. Alors, est-ce qu'on peut faire maintenant quelque chose d'intéressant, en fait? Parce que... Non. Est-ce que... Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire un truc genre qui sert à rien ou quoi? Côte. Attends, si je peux faire un truc. Je crois que je peux faire un truc. Donc là, il nous manque quoi?
nous manque au fond. Non, au fond, côte. Il nous manque côte. Donc du coup, comme ça. Voilà. Et là, il nous manque la boue, en fait. Bon, la boue, on s'en fout un peu. Bah voilà. Ok. On arrive à quelque chose. C'est pas mal ça. Deux espaces pour moteur, waouh. Ok, on verra. Ah, on a passé toute la journée en fait à mettre des... Ok. On a passé toute la journée à remettre des choses en fait sur le bateau. Ok, on va partir. Alors. On est reparti là-bas. Ah, on peut... Ouais, on peut faire ça. Voilà, là, on devrait pas rien toucher, en fait, pendant un petit moment. Parce qu'on a tout ce qu'on veut, en fait, au final. On a le... On a le filet, on a... l'océan, on a le feu, le volcan, on a... les hauts fonds, les bas fonds... On a tout sauf le, où il y a la boue. Et où il y a la boue, bah, c'est de l'autre zone. Rien de... Rien de très spécial. Quoi ça? On est allé là? Non, on n'est pas allé là. Alors, vous débarquez près d'une vieille barque. Il y a quelqu'un, un individu recroquevillé près du feu de camp et en train de marmonner. Vous approchez prudemment. Tu l'as renvoyé? Je sais pas de quoi vous parlez. Le livre? Je ne comprends pas. Je n'ai pas la berlue. C'est bien toi, non? Qui croyez-vous que je suis? Il se retourne, se tordant les mains, puis il se met à parler au feu. C'était lui, lui et sa maudite femme. Ils ont empêché ce vieux livre. Ils ont repêché ce vieux livre. Mais quelque chose caché dans le brouillard l'a suivi à travers le bateau. Boum. S'adressant toujours au feu, l'homme fait de vagues bruits d'explosion en agitant fébrilement les mains, comme s'il mimait une histoire pour un enfant. La chose a parlé. Elle a dit qu'elle venait nous voler notre souffle, qu'on en aurait bientôt plus besoin. Puis les ténèbres se sont abattues. Des années plus tard, certains d'entre nous se sont échoués sur le rivage. Avec lui, il tenait toujours ce livre dans les mains. En voyant le brouillard arriver, on lui a crié « Renvoie-le !» On pensait que le sort pouvait être conjuré. Quel livre ? Argenté et pourpre, le livre couvert de sang, de son sang à elle. Déliré. Renvoie-le ! Je me demande si c'est pas le livre de l'autre, là, qui veut qu'on... Je t'en prie, la gardienne du phare, elle a tout vu. Elle sait d'où vient, où il doit aller. Ouh. Elle a tout vu ce jour maudit. Demande-lui, supplie-la, dis-lui que je t'ai vu crispé de chagrin. Il cache cette calamité, ce soir est maléfique, vous ne l'avez pas senti. Argenté et pourpre, se balance devant en arrière en regardant les flammes. C'est sûrement le livre du mec, hein. Je dirais. C'est quoi ça? C'est du bois hein, qu'il nous faut. C'est pas du bois ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour à la gardienne du phare? Déjà, est-ce que lui, maintenant, on débloque quelque chose? Parce que
Il nous parle du livre. Honnêtement, moi, ça me rappelle le livre du mec, en fait. Qu'y a-t-il ? Êtes-vous humain ? Évidemment, aussi humain que vous l'êtes. Autre chose ? Jetez un œil à ces babioles. Je veux pas de balal coliché, il paraît que le spécial négocie. Ok, ça marche. Et il y a l'atelier, on peut toujours rien y faire. On dirait que personne n'utilise depuis des décennies. Entrée. C'est verrouillé. Macro-tumoral. Ah, tiens. Alors, des tumeurs s'agitent et soulèvent les écailles de leur hôte. Depuis combien de temps vit-il ainsi? Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible en plus, les descriptions des fois. C'est vraiment dégueulasse. Genre, c'est un mix entre c'est écœurant, dégueulasse et c'est genre. C'est triste en fait pour l'animal, quoi. Alors, tu veux quoi? Que sais-tu au sujet du livre argenté et pourpre? Elle frissonne à la seule mention du livre. Tu oses me poser cette question? Après tout ce temps, tu sais qu'il faut le rendre. Elle vous observe d'un air de pitié. Tu dois tourner la page pour son bien à elle et pour le tien. Reprends-toi, débarrasse-toi de cette chose une fois pour toutes. Ok, ça m'aide pas vraiment. Ça m'aide pas vraiment. Hein, les gens fous là. L'ancien maire. Je ne peux pas y penser, c'est un douloureux souvenir pour nous tous. Certaines nuits, je crois entendre le ronronnement de ses moteurs dans la baie. Mais je sais qu'il n'est plus là, et je ne veux plus en parler. Le maire, on a lui quelque chose à lui dire? Ouais, non. Dormir. On dort et on repart au volcan. On repart au volcan. Non, c'est nord-est. Très bien. Après, quand on aura les autres emplacements de moteurs, faudra voir si on peut faire un mix. Ou alors, genre deux moteurs, deux gros moteurs de ce qu'on a là. Ouais, faudra voir un peu comment ça fonctionne. Si on peut faire quelque chose d'intéressant. C'est vrai que là, si on brûle le moteur, on va pas très vite. Hein. J'ai tendance à le faire quand je fais pas trop attention. Le mec, il a plus rien à nous dire. Bah, il n'y a plus le feu. Petite structure à côté, il y a un feu de campement. Examinez la sculpture. Une vieille structure en pierre est construite autour d'une statue dont les bras sont levés vers le phare de l'échine du diable. La sagesse d'adoration ou de peur? Tu dis le feu de camp. Le feu de camp n'est rien de spécial, mais vous demandez qui pourrait choisir une île pareille pour installer un campement. Non loin, message. Vous remarquez un morceau de papier qui bouge dans un buisson. Un message est inscrit dessus. Vous le glissez dans votre poche pour le lire plus tard. Tu vois ? On y est presque. Personne n'est au courant, le sait-il. J'ai profané le temple, pardon. C'était le seul moyen pour qu'il comprenne. Il faut l'aider, il faut l'arrêter. C'est bizarre. Ta-da-da-da-da-da.
On regarde les crabes. Mais ça sert à rien parce que c'est... Y a pas de place quoi. Enfin, en tout cas, encore eux qui sont pas loin. Hein. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. J'ai mis tellement de temps à à m'arrêter que j'ai récupéré du poisson entre temps. Bon, trouvons du bois. C'est du bois ça ? Je reconnais jamais hein, ça c'est du... Pour moi c'est du métal mais... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une des flammes ça ? L'hôtel de pierre, une dalle verticale ornée d'une gravure représentant deux créatures carabassonnées en plein combat. En dessous, une autre dalle aborde deux rainures peu profondes. Ah, c'est les crabes! Let's go! Évidemment, vous allez voir que je vais pas avoir celui en T. Non, si, ça va. Oh oh, flamme. Ça, on prend... Oh, du bois, yes. Des babioles, j'en ai un peu rien à faire. Mais... Ouh, attends, on va. On va donner le bois. C'est toujours pas là, c'est bien. Chaque fois, je me cours. Ok. Ah, je suis plein de plein. Qu'est-ce que c'est chiant. Tetris Master. Tetris Master. Oh, on a bien fait de mettre des... des choses là pour les crabes. Et le vieux, on a une flamme pour toi. Très bien. Bon, très bien. On va devoir s'arrêter là, je pense. Bon, j'aime bien ce qu'on a là. On devrait peut-être, comme j'ai dit, ouais, mettre un... Mais bon, l'emplacement il est pourri. Je voudrais bien avoir débloqué ça là. Comme ça on peut mettre le moteur. Après, avoir deux moteurs serait pas si mal au final. C'est vrai que. Mais bon, celui-là il va très vite. Je sais pas. Non, mais on va jouer comme ça. C'est juste faut faire attention quoi. Tout simplement. Très bien ça. Ok. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'était un bon épisode, on a bien avancé.
On a fait une flamme, on a fait... On a découvert des autres petites choses. Il nous reste plus beaucoup de quêtes. Juste une là encore, sûrement. Toujours celui-là qui m'embête, silhouette bleue. Ça se passe bien. Ça se passe bien, le livre est bientôt fini. On va passer la nuit. Peut-être que le livre va se finir. Ça m'étonnerait, mais je pense qu'il faut encore un peu plus de temps. Ouais. On est à 84. Le filet fonctionne bien. On a des crabes et tout. Il faudrait peut-être réparer les pièges à crabes, mais bon, pour le moment, ça va, ça suffit. On va continuer donc la prochaine fois. On va récupérer donc ces flammes. On va essayer de trouver du bois, surtout aussi. Parce qu'il nous faut du bois pour pouvoir augmenter notre bateau. J'aime beaucoup maintenant l'agencement là. On a quasiment tout. On a sauf la boue là. Mais honnêtement, ça c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Je kiffe bien. Je kiffe bien. Ouais. Allez. Portez-vous bien, on se retrouvera la prochaine fois et on continuera notre petite aventure. Ciao, ciao.